dimanche 2 janvier, salut à tous. Je suis partagée ce matin entre j'adore l'association des deux et je sais pas trop, mais je crois que j'adore. Par contre, le petit haut là, qui s'arrête ici, il me fait comme un garrot. Il me serrait pas autant. J'ai grossi. Ce matin, je me suis fait petit test avec tous les soins que j'ai eus pour Noël et j'ai testé la palette 5 couleurs Dior, je l'adore. Les couleurs sont sublimes. Il y a du taupe, il y a du plus foncé, voyez ou pas? Ah si, là vous allez peut-être voir, c'est trop beau. On ne regarde pas le contour de l'œil qui est en traitement. Et d'ailleurs, elle m'avait dit que normalement, au bout d'une semaine, je verrais déjà des résultats sur tout ce qui est pas de doigts, ridules, les pieds faits liftants du produit. De toute façon, je vous ferai un petit retour. Il est 13h, je crois. Ouais, 13h12, je vais manger. Ça, c'est vraiment le truc qui me saoule. Des petites escalopes de dinde, vous voyez, 3,39€, qui vont jusqu'au 1er janvier. Quelle idée! J'ai pas fait gaffe, je suis dégoûtée. Et au niveau de la viande, non, ça, ce genre de truc, non, ça, si je sais que c'est périmé, tu ouvres, ça pue, je peux pas, non, je peux pas. Va à ta place. T'as souhaité la bonne année, au moins. C'est comme ça que tu dis bonne année? Moi, je sais pas comment, je sais pas. Va à ta place, allez, on va se fâcher. Va à ta place, allez, voilà. Normalement, t'es un petit chat qui obéit. Pourquoi t'es tout fou comme ça? C'est le poulet. J'ai acheté ces chips là dernièrement avec 50% de matière grasse en moins de chez Lay's. Elles sont bonnes. Si vous aimez les chips qui sont hyper croustillantes et goûteuses, sans conservateur ni colorant, sans arômes artificiels, qu'est-ce qu'il y a? Je vais manger ça avec des petites pâtes au... Je crois que c'est des pâtes aux chèvres et basilic. Je lui ai dit de descendre. T'inquiète bébé. Il y a un truc de fou avec Jack, je vous assure. Quand je lui dis de descendre, donc moi, il met 3 heures. Par contre, dès que son père, il le voit, hop, sur la chaise. Il est 2h20, on s'en va. On va aller profiter qu'il fasse encore jour pour ce qu'on fait de temps en temps. On aime bien partir. Donc, il y a l'aventure. Déjà, j'ai plus d'eau, donc on va trouver un endroit pour acheter de l'eau. Et ben, on va voir ce qu'on peut trouver. La supérette où je pensais aller supérette est fermée. Habituellement, elle est ouverte le dimanche, mais là, c'est saisonnier, l'hiver. Comment? Ah, ouais. Faut que je parle parce que... ok. Supérette. Mais j'aimerais bien aller dans un salon de thé ou manger une crêpe ou un truc un peu cool. Chocolat chaud et de la chantilly. Et de la guimauve. Et je voulais me prendre aussi à la supérette, en plus de mon pack d'eau, une mangue. Ah ouais, parce que j'y ai pris goût. Allez, talent. Je vous ai pas dit, je l'ai mangée. Elle était bonne, mais un peu ferme encore. C'était pas la mangue vraiment onctueuse. En fait, on est allé dans plein de villes. Tout est fermé. Je voulais faire un salon de thé, un truc un peu atypique et tout. Manger un chocolat chaud ou je sais pas. Résultat, on est dans une petite ville à Bonneval. Et bah, j'ai juste une boulangerie d'ouverte. Donc bah, je vais prendre une bouteille d'eau pour dépanner, puis des gâteaux. Peut-être mettre mon masque quand même. Bonjour. Bonjour. Bonne année à vous également. Merci. Alors, je vais vous prendre pour demain matin. Demain, on est lundi. Non, mais là directement. Hein. Ah, je me prends pour demain matin. Ah, ben non, je suis pas d'ici. Je vous notais, moi. Enfin, je sais pas. Bon, peu importe, boule, allez. Oui. 4 super. Ben voilà, petite gaze d'herbe. Elles sont belles, vos petites bûches. Bien bonnes, c'est la myrtille chocolat blanc. Pizza raclette, oui quand même. Vous dites la fameuse, c'est votre spécialité? Non, c'est parce que souvent les gens viennent chercher leur morceau de pizza raclette. Voilà, ils font souvent de la pizza raclette. Ah ouais, c'est costaud là. Bon bah voilà, on va rentrer à la maison puis on va se faire une galette. C'est pas mal aussi comme plan. Je suis sûre qu'il va être content. Il aime ça la galette de Gaëric. Ah bah il est toujours là. Si je te dis que j'ai pris une galette des rois. C'est bien fait. C'est vrai? Ouais. Ah. On va aller goûter ça à la maison. Bah exactement, galette des rois. Très très gentille la dame. Est-ce que vous en auriez pu prendre un truc aussi? Deux. Ici, je suis sûre qu'il y avait un truc sympa à manger. C'est un bistrot PMU. C'est rigole. Ouais. Tu sais que je suis en train de conduire. Nous sommes revenus. Oh, il est 4h30, on a déjà fermé tous les volets. Je suis en train de faire chauffer le four. Elle a l'air bonne. Je suis pas très très galette. Je sais qu'Eric il adore ça, donc c'est pour ça que j'ai pris. Mais ça va quand même. Tradition, ça pour demain matin, on sera bien content d'avoir notre petit pain tranché et ma bouteille d'eau surtout.
bien pratique. C'est pas donné, hein, la galette. En plus, j'ai pris une 4 personnes, petite, 14 euros. Je pense que c'est le prix, hein. T'as 4 parts, quoi. T'as une belle part. Et pour aller avec, évidemment, je vais faire une infusion. Pour moi, c'est une de mes préférées, c'est celle-ci. Elle est trop bonne, je vous l'ai dit. Attends. Voilà, je vais faire celle-ci. Elle est tellement bonne, la carotte cake. Je dis dedans, il y a du gingembre, de la cannelle. Tu peux passer. Est-ce que tu veux une infusion ? Non, merci. Je prends deux. Oh, le cliché ! Non, mais t'aimeras pas, c'est pas assez sucré. Ou alors, je me fais... Non, pas celle-ci. Celle-ci, je l'ai trouvée trop bonne. Vraiment très bonne également. La nuit à Versailles est hyper sympa. Comme l'indique le nom, nuit à Versailles. C'est pour les vieux. C'est pour les vieux, voilà. Non, c'est le soir pour s'endormir. Faut tout renverser. Ah ouais. Mais c'est pas pratique, c'est écrit en dessous. J'ai pas à lire. Ah, ça y est. Bergamote, kiwi, fleur d'oranger, violette, pêche. Bon, bah, je vais prendre ma petite tisane de vieux, alors. De vieille. Ah, mais j'ai mélangé Happy Dreams, c'est... Ah bah non. Nuit à Versailles. Pas du tout. Nuit à Versailles, c'est pas Happy Dream, hein. Ouais. Ah bah non. C'est des gros morceaux, en fait. Ça sent hyper bon. Franchement, cette marque est top. Il faut faire des étiquettes pour les produits. Ah, c'est bien. Tu veux dire les Nutri-Score, ce qu'on regarde tout le temps. Bah, voilà, exactement. Ouais. Ah, ça peut être intéressant. Oui, tu peux sortir la pizza, je vais dire. Tu peux sortir. Tiens. Ah, elle est pas trop sucrée, hein. Choisir des rondelles bien taillées, tricher avec des cure-dents, rajouter de la brillance et retoucher la photo derrière. Qui explique comment on fait du fake pour présenter de jolies lasagnes sur les photos, avec du carton dedans pour donner du volume. C'est pas mal intéressant parce qu'il étaye en fait, il fait des tests, regarde. Alors retournez dans tous les sens, hein, ça vous permettra de vous apercevoir que le fond du pot est tout concave. Alors pour bien visualiser la chose, si on met de la pâte à modeler à la place, et voilà, le volume perdu par rapport à tout ce qu'on pouvait s'imaginer en voyant la taille du pot. Sacre-moi. Vive la reine. Ah mais elle a bien quand même. En fait c'est lui qui a eu la fève, mais comme je suis sa reine, eh ben, c'est moi qui ai la couronne. C'était intéressant, mais on n'est qu'à la moitié, c'est une vidéo qui dure une heure. Donc. Sur ce, je monte, je finis ça parce que c'était chaud. Et c'est dimanche, mais il faut que je m'avance, il faut que je bosse. Regardez-moi cette transition. Nous sommes le lendemain et j'ai toujours mon infusion. J'ai pas pu vous reprendre hier soir ni ce matin. Il fallait que je résolve deux problèmes qui me prenaient la tête. Et en fait, c'est ça, quand t'es ton propre patron, t'es seul aux commandes. Résultat, j'étais un petit peu en suspense. Et c'est bon. Il est 3h par contre. J'aimerais vous dire les choses. J'aimerais, oui, ça concerne les box. Ah, c'est top. Donc janvier, février, c'est cool. Mais vraiment, il va y avoir du très beau. C'était la rentrée hein, au lycée et regardez ce que je trouve cadeau. Il m'a laissé ses lunettes de vue. Hier, il les a pas mises. Il me dit qu'il les supporte pas, que son champ visuel, tout est déformé, ce qui est pas normal. Par contre, ses solaires qui sont exactement la même correction, il les supporte. D'ailleurs, il les avait mises hier quand on est parti. Donc ça doit venir peut-être du filtre ou... Je sais pas, mais enfin, c'est pas en les mettant un jour sur deux que les choses vont s'arranger. Hein. Je sais qu'il faut vraiment insister. Hein. Moi aussi, j'ai un peu galéré au début, mais bon. Après, si vraiment ça passe pas, il faut qu'il l'aille voir. Hein. Il y a peut-être effectivement un truc qui n'a pas été super bien fait. J'ai commencé à retirer les petites décos, là. Donc, je vais finaliser ça. Regardez qui c'est qui est caché. Bilou ? Il a caché Bilou. Je suis en train donc de le déshabiller et je vais le monter au grenier. Voilà, c'est fini. Est-ce que vous aussi, vous avez éclaté tout ce qui passe en matière de chocolat, de gourmandise? Parce que nous, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Tous les midis, le soir. Il faut dire, c'est tellement bon ça. Donc ça, tout ce que je reçois des marques pour tester, tu penses... Et c'est surtout au moment du café en plus. On fait de la dégustation avec Eric. Donc lui, il est content, moi aussi. Mais on va peut-être un peu se calmer quand même. Comme j'ai un rendez-vous qui s'est annulé, je pense que je vais switcher et je vais faire mes petites courses d'appoint maintenant plutôt que tout à l'heure. Ouais, ça va m'avancer. Par contre, je vais être obligée d'arrêter maintenant ce vlog si je veux pouvoir vous le publier tout à l'heure. Parce que je vous dis, il est déjà 3h et il y a tout le montage à faire. Ne m'en voulez pas les amis. Nous avons passé déjà un petit moment ensemble, c'est déjà bien. Bon. En tout cas, merci. Merci d'être toujours à mes côtés. Et je vous dis à très vite pour la suite des vlogs. Ciao.